Et nous revoici en live, toujours en live, pour reprendre donc ce scénario et la seconde partie donc du scénario. Et là, ça va aller beaucoup plus vite, puisque je le rappelle, il y a une alarme qui est en train de retentir. Vous avez vu toutes les portes des cellules s'ouvrir. Vous avez entendu cette voix fantomatique dire « Le maton est parti ». Et qui... Et vous sentez tout un tas de courants d'air autour de vous qui semblent sortir des portes des cellules et partir dans différents endroits. Il y a même quelques rires un peu effrayants. Et évidemment, à un moment donné, donc l'alarme commence à se calmer. Qu'est-ce que vous faites ? Je regarde quelques secondes les plus guerriers d'entre nous. La cafétéria, il faut qu'on aille à la cafétéria. Il y a des couteaux à la cafétéria. Vous entendez qu'il y a de l'eau qui est en train de couler dans les douches des cellules juste à côté. Vous entendez l'eau qui est en train de couler des douches. À la voiture, il y a plus de matériel. Mais on l'a pris le matériel, Doc. Est-ce qu'on a pris tout ce qui était dans la voiture ? Oui. Vous étiez équipé. Vous étiez équipé. Oui, d'accord. Je valide. La voiture, il y a plein de pièges. C'est pour ça que je demande. Là, depuis les escaliers, escaliers, vous entendez « Ramenez vos derrière !» Dans les douches, après l'eau, vous entendez une voix qui s'élève un peu en train de chanter en italien sous la douche, mais en italien très très approximatif. Bon, je propose qu'on se regroupe quelque part. La cafétéria. La salle des gardes. Et si on faisait demi-tour, on avait signé pour une décharge pour un seul. Mais non, arrête, c'est fascinant ce qui est en train de se produire. Ah, je me sens pas bien. Et je sors manger l'hydroalcoolique et je me lave les mains frénétiquement. Gary, n'oublie pas de documenter tout ça, c'est peut-être la gloire pour nous. Ah, oui, oui. Gary et Larry aussi, d'ailleurs. Moi, je propose qu'on aille dans la salle des gardes, peut-être qu'ils oseront pas venir jusqu'ici, pour faire un point entre nous. Oui, très bien. Je vais vers la salle des gardes, c'est ça ? Moi, je commence à faire l'étage. Hein. Moi, je suis en train de partir. J'étais partie à l'étage. Je vois toutes les portes qui s'ouvrent. Ça me fait absolument ni chaud ni froid. Je continue sur ma lancée. Je m'allume même une petite clope au passage. Ok. Et j'allume de la sauge en même temps. Ok. J'allume ma sauge comme ça. Puis je passe comme ça. Puis je monte les escaliers. Toujours dans les cellules, mais au niveau des étages des cellules, c'est ça ? Ouais, je monte. Tu m'avais dit qu'il y avait des trucs qui allaient se passer à l'étage. Donc moi, je suis montée. Ouais. Puis je passe ma sauge comme ça. Ça marche. Donc Madame Morpheus est derrière en train de répandre sa sauge, tandis que vous êtes réfugié dans la salle des gardes qui est toujours telle que vous l'aviez laissée et dans laquelle, en tout cas, étrangement, c'est le calme. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on fait on a plusieurs pièges. On devrait pouvoir en capturer un certain nombre, mais là, c'est difficile de savoir à quel type d'entité nous avons affaire. Qu'est-ce qu'on peut observer ? Il faut être logique, ils vont forcément se réunir à la cafétéria pour manger. Ils ont des horaires dans les prisons. Est-ce que ça existe, les essaims d'entité ? Un essaim d'entité, Doc ? Est-ce que ça existe ? Ou les lieux ? C'est fascinant ce que tu dis, Larry. On serait peut-être les premiers à avoir affaire à un essaim. Doc, calmez-vous, c'est pas le moment de penser à ça. Attends, ce lieu. Vous voyez que je sors mon bouquin. Et tandis qu'il est en train de sortir son bouquin, vous voyez que y a la porte du bureau entre vous et le bureau du directeur qui se ferme. Clac. Et vous voyez une.
la caméra dans la salle des gardes qui bouge un peu, qui se tourne vers vous et qui bouge, et vous entendez retentir un peu au loin une sorte de ricanement qui... C'est la prison, c'est l'entité, c'est la prison, c'est pas les gardes, enfin les prisonniers, si. Non, les entités, c'est pas des bâtiments. Par contre, vous vous souvenez que dans le bureau du directeur, vous avez vu la direction d'un centre de sécurité, où potentiellement vous aviez aussi toutes les commandes de la prison. Il faut peut-être aller là-bas, parce que si les caméras... elle bouge dans notre direction, ça veut dire qu'il y a des gens là-bas, potentiellement. Comme vous dites, vous, des esprits. Mais si on considère la prison comme une entité entière à elle-même, est-ce que peut-être on pourrait essayer de la considérer comme un 6, comme une manifestation extraplanaire quelque part, comme quelque chose qui se serait transcendé après la mort de nombreux individus? Ce serait une théorie totalement nouvelle et qui serait peut-être fondatrice de tout un nouveau courant, tout un nombre de nouveaux courants. On comprend rien. Est-ce qu'on peut mettre un bâtiment dans la prison, dans le truc là, je sais plus le nom, l'appareil d'aspiration fantomatique, est-ce qu'on peut mettre un bâtiment dedans? Madame Morphy, pendant ce temps-là, tu as fini de faire le tour avec la sauge de toutes les cellules, mais il y a toujours tout un bordel autour. Bah, je redescends. Et j'essaye de suivre les voies. Et les ricanements, ils venaient de là où sont mes camarades ou pas? Alors, les ricanements, toi, tu n'as pas entendu les mêmes, tu en as entendu d'autres partir en direction de la cour, okay. Notamment, et aussi en direction du parloir. Ok, ça marche. Est-ce que je peux utiliser, genre, ma compétence de clairvoyance? Mm-hmm. Pour genre essayer de me dire allez ouais vers où il faut que j'aille. En plus j'ai mis de la sauge, ça va m'inspirer, j'aime bien cette odeur. Tu te dis que dans les douches il y a un truc. Tu me fais même pas faire le jet. Alors je suis tellement intelligente, j'ai pas besoin de lancer de dés. Allez, je vais dans les douches. Ok, tu te diriges vers les douches. Vous autres, vous faites quoi? Le directeur. Ok. Moi je l'ai suivi en. La porte a été fermée du coup, mécaniquement. Et vous pouvez, vous arrivez pas à l'ouvrir de là où vous êtes. Je toque. Vous pouvez nous ouvrir s'il vous plaît? Au bout d'un moment, t'as la porte qui s'ouvre. Voilà, entre. Madame Morphis, tu arrives dans les douches où, toujours en un pseudo-italien pas du tout formel et enfin loin d'être de l'italien réellement, est en train de chanter oh, tante, mobile. Et en t'approchant au final, l'eau est en train de couler et tu découvres un espèce de grand humanoïde. Attends, je m'avance comme ça. On est quand même dans les douches. Oui, et bien sûr. Excusez-moi. Tu vois un espèce de grand humanoïde allongé, sans bras, mais avec des mains spectrales. Et il est en train de se frotter abondamment avec un savon dont on ne sait pas d'où il sort. Et à un moment donné, il se tourne vers toi et il s'arrête de chanter pour... Désolé, voilà. Je me cache les yeux. Il a un cri très très strident, suraigu qui sort de sa bouche et il s'arrête pas de crier. Calmez-vous. Tout va bien. Écoutez le son de ma voix, tout va bien. Je ne regarde pas, je respecte votre intimité de fantôme. De personne, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il est avec ses mains sans bras en train d'essayer de se cacher à différents endroits. Où il a aucune partie à cacher, mais il est en train d'essayer de se cacher. Tenez, prenez. J'enlève mon foulard et je fais tenez, prenez ça. Ok, mais il prend le foulard et puis il se cache derrière et tu vois qu'avec l'eau qui coule, il y a tout un tas d'ectoplasmes qui, en même temps, une grande quantité d'ectoplasmes qui est en train de partir dans les canalisations avec l'eau. Je mets mes pieds sur la canalisation. T'as les pieds pleins d'ectoplasmes. C'est pas grave. Et reste avec moi, tout va bien. Écoutez le son de ma voix, tout va bien. Comment allez-vous ?
Je suis Fanny Morphis, enchantée de vous rencontrer. Vous faites partie de la prison. Je me doute qu'on n'est pas forcément au meilleur endroit pour discuter, mais j'aurais besoin de quelques petites informations. Est-ce que vous m'accorderiez une petite minute, peut-être, voilà, couvrez-vous un instant le temps d'une petite discussion, puis je. Alors, voilà. Il rouvre la bouche pour à nouveau avoir un cri très strident, tout en faisant oui de la tête. Mais c'est formidable, ok. Peut-être pouvez-vous... je peux utiliser ma table Ouija, je suis venue avec elle. Si vous avez du mal à communiquer, on va pouvoir parler comme ça, vous et moi. Déjà, votre nom, comment vous appelez-vous? Aidez-moi, guidez-moi avec la table et puis dites-moi comment vous appelez. Ça a l'air compliqué, hein. Tout ce qui te répond, c'est... je vois. Oui, je comprends. Vous avez dû voir des choses assez horribles. Je comprends totalement. Peut-être un endroit où vous pourriez me guider, un endroit pour m'aider, un endroit pour vous aider. Et il est en train de te faire un peu oust. Ok. Et il a l'air de vouloir se laver. Ok, ça marche. Bon, eh bien... Buena doucha, ciao. Hein? Allez. Et tandis que okay. Tu t'en vas, derrière tu l'entends avant. Oh, quand t'es ma vie. Je m'époussette les pieds. Je suis pleine d'ectoplasme. Ah ouais. J'ai vraiment, plus mon foulard du coup. T'as plus ton foulard et ta permanence en a pris un peu d'ailleurs. Quoi? Vous autres, vous êtes au niveau du bureau de au niveau du bureau du directeur, effectivement. Très bien, tout le monde. Ah, rappelez-vous, vu que ça n'a pas l'air d'être des humanoïdes complets, on a sans doute affaire à des individus de type 4. Il faut qu'on identifie leurs défauts, leur obsession, quelque chose. Il faut qu'on les prive de ça, d'accord? Et ensuite... Rayon, container. Ça va les énerver sur les prix. Non, ça va les perturber plus qu'autre chose et le temps qu'ils comprennent. Mais attendez, ils sont hyper nombreux. D'un point de vue financier, il me semble que ça va être énorme. Ça va être hyper long. On en a pour la nuit là. Bah oui, mais on va pas partir trop loin. Moi, je croyais, dans le livre, que, en gros, quand on les aspirait, ça coûtait de l'argent avec le stockage et tout ça. Et là, au nombre où ils sont, ça s'achète comme une prime. Mais, au diable, tout ça... De toute façon, on va facturer la mairie. Vous entendez des ricanements en direction du centre de sécurité, suivi d'un... Ça fait 2 mois qu'on se tourne les pouces, c'est pas grave si on fait une nuit un peu chargée. Bon, il y a quelqu'un ici, là? Je peux ouvrir le centre de sécurité? Oui, tout à fait. Bon, pour avoir un peu ce qui se passe. Alors, j'ouvre le centre de... Fusil en main. Vous ouvrez le centre de sécurité, où vous découvrez effectivement une petite pièce sombre, équipée d'un grand bureau au-dessus duquel sont montés de nombreux écrans permettant de visualiser les transmissions de toutes les caméras de la prison. On distingue également plein de boutons permettant éventuellement de contrôler plusieurs éléments de la prison à distance, tels que les caméras, les alarmes, les portes, etc. Et au moment où vous entrez, dans cette salle de contrôle, vous voyez un fantôme à la forme plutôt grossièrement ronde, muni de bras assez longs, sans jambes, qui s'amuse à appuyer sur tous les boutons de la salle dans la pièce. Il fait chaud et vous voyez de l'ectoplasme qui s'écoule de manière abondante du siège. Le fantôme a une vieille cigarette allumée dans la bouche. Il l'écrase un peu dans le cendrier avant de continuer de fumer et puis... Vous voyez qu'il a l'air d'avoir, vous savez pas où, chopé un paquet de vieilles chips et il commence à les manger et puis à rôter de manière très bruyante de temps en temps. Madame Morphis. Heureusement que je suis pas là. Hein. Bon, d'accord. L'un d'entre nous saisit des chips, deux autres d'entre nous mettent leur rayon à 40%. Bah. Moi, je prends les chips, du coup. Ok, d'accord. Ça marche. D'accord, Gary, tu t'occupes des chips.
Moi, faites-moi tous un jet de courage. Mais non. Attends, on a le moins 4 en plus, non? Oui, vous avez le moins 4. Oh, ça va être beau, ça. Ça va être magnifique. J'avais pas donné un bonus tout à l'heure qui est annulé? Bah, en fait, ouais, si vous vous êtes annulé vos bonus, quoi, en fait. Donc, donc c'est un test normal. Ouais, c'est un test normal. Donc, alors, moins de 10, vous êtes tétanisé. Et tétanisé. Vous prenez un point de pression. Alors, qui a fait moins de 10, là? Est-ce que c'est possible d'utiliser compter sur les autres? Parce que du coup, en fait, là, je compte clairement sur les autres. Ah bah oui, oui, tout à fait. Oui. Mais pour réussir ton test de courage, c'est ça? Oui. Okay. Donc ça m'ajoute plus 6. Donc je suis à 11. Ah, donc du coup, tu n'es pas tétanisé. Tu comptes sur les autres, mais tu vois que les autres... Mais en tout cas, il y en a deux qui ont l'air d'être totalement figés. C'est quand même mon premier test de courage que je réussis de la soirée. Bravo. J'essaye de secouer Sharon et de la motiver. Sharon, allez, on s'est entraîné pour ça. Oui, mais pas vraiment. Mais là, c'est l'occasion ou jamais. On sait à quelle entité on a affaire, on sait ce qu'on a à faire, on a qu'à exécuter le plan. Ouais. Je vois qu'il y a rien à en tirer. Alors, je montre Gary qui est figé aussi. Tu peux essayer de refaire un test de courage ou tu peux aussi essayer d'intimider quelqu'un pour le faire à ta place, non? Je sais plus. T'as pas cette capacité? Attends, si, je crois, en fait. Est-ce que je peux l'encourager, Sharon? C'est un transfert de stress, pas un test d'intimidation. Je peux transférer un test de courage à un collègue. Donc ça veut dire que je dois faire un test d'intimidation. Et ça veut dire que je transfère le test que j'ai raté à quelqu'un d'autre? Ah non, ça veut dire que en fait, à la place du nouveau test de courage là que je vais te demander pour réussir à agir au final, ouais. Tu peux le faire faire un test de social intimidation et transférer ce test de courage à quelqu'un d'autre, par exemple Gary. Et toi, en fait, le fait d'avoir intimidé quelqu'un, ça t'a rassuré. Ah. Je vais intimider Gary alors. Le bully, c'est très puissant. Je le prends un peu à partie. Je fais Gary, secoue-toi un petit peu. Okay. C'est du Gary, social. Tu pourras aussi relancer du coup un test de courage. C'est 12 plus les tests d'intimidation, 18. Ok, ça marche très bien. Gary est secoué et... Oh là 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 là, non, y a rien à faire. Gary est effondré sur place. Et je critique. Tu reprends un point de pression du coup. Allez, c'est pas grave. Sharon et Larry, préparez-vous à lui tirer dessus à 40. Je mets le piège par terre et après j'irai lui confisquer ses chips. Je fuis. Le piège peut rester en place. Gary s'enfuit. Ok. Moi, je me prépare, du coup. Mais Gary, il faut filmer. Et du coup, moi, j'ai mon smartphone qui est là. Et j'ai le truc pour aspirer à 40%. C'est le gros bazar. Gary, reviens. Et donc, du coup, je vais vous demander un... Non, bah non, au final, non, ça se passe... Je vais pas vous demander de nouveaux tests, parce que du coup, certains ont déjà réussi leur test de courage, et d'autres ont intimidé pour pouvoir mieux se sentir. Donc au final, vous ajustez vos rayons, vous réussissez à capturer ce fantôme qui... finit par être capturé dans la prison. Malgré le fait qu'il ait essayé de récupérer ses chips au dernier moment quand Griffin lui a piqué ses chips pour se raccrocher à ses chips et il avait toujours la clope dans la main en partant et au moment où il disparaît dans la prison, pouf, il n'y a plus que la clope qui tombe par terre. C'est fascinant, la théorie était bonne. Est-ce que je peux arriver à ce moment-là et récupérer la clope? Oui. S'il te plaît. Je récupère la clope au sol et je l'allume. Elle a le bout qui est un petit peu avec de l'ectoplasme. Voilà. Et Gary, alors... Madame Morphis, enfin.
Gary, toi, t'es parti tout seul de ton côté? Ouais, en fait, je pense que, échec critique en courage, je pense que le seul besoin que j'ai, c'est de voir un être humain dans une zone de safe, donc je vais aller voir le gardien, en fait. Ok. Tu pars vers l'entrée? Ouais. Tu pars vers l'entrée, mais avant de pouvoir sortir, en fait, tu tombes sur autre chose à l'entrée. Ouais. À l'entrée, tu arrives dans cet endroit où, pourtant, vous n'aviez rien vu à la base en arrivant. Et là, il semble y avoir quelqu'un dans cette entrée. Une femme qui semble être assise sur un des sièges. Ah, une visiteuse? Bah, potentiellement, hein. Une femme qui a l'air humaine, vraiment, il n'y a pas de bizarrerie ou de... Pour l'instant, en tout cas, elle a pas l'air... enfin, voilà, en plus, ce qui... Enfin... Non, oui, elle a l'air... Enfin, elle est de dos, hein, mais en tout cas, elle a l'air d'être, somme toute, assez... assez normale. Le seul truc qui te perturbe un petit peu, c'est que... Par où devrait... provenir en fait une douce chaleur printanière, et bien dans cet endroit tu sens comme une ambiance un peu glaciale. Là je vois une femme de nuit dans une prison abandonnée de dos. Moi je suis Gary, c'est un cinéphile, et je me dis je vais la toucher, elle va se retourner, avoir une tête de hareng. Là je prends une chaise et je lui éclate dessus et je me barre en courant. Alors Je sens le screamer venir. tu prends la chaise, tu vas pour l'éclater sur la gueule, mais tu sais, au dernier moment, tu fais comme... Tu fermes les yeux à moitié pour le faire, pour pas voir un peu le résultat de ce que tu vas faire. Et une fois que tu rouvres les yeux, tu vois qu'elle est plus là. Ouais. Tu te retournes et tu découvres un visage qui est juste devant toi, un visage d'une femme... Vraiment déformé au sourire carnassier, les yeux écarquillés dans une expression plutôt effrayante, et qui, en te regardant, fait bouh. Ouais. Alors je hurle et je pense que spontanément je lui mets une droite. Ok. Tu hurles. Je vais te demander un autre jet de courage. Tu hurles, t'essayes de lui mettre une droite et tu vois en fait ton poing qui rentre dans le visage. Et qui, comme propulsé par un élément un peu élastique, et ressort du visage. Et en te regardant, elle ouvre grand la gueule et elle se met à te vomir de l'ectoplasme dessus. Mais vraiment, tu prends une douche d'ectoplasme. Je fais mon jet de courage quand même? Oui. Avec, je peux rajouter ne pas réfléchir avec. Oui, tu peux. 4 encore. Donc ça fait 14. 14, ok. Là, t'es vraiment face à une situation très, très, ouais, très effrayante. Ça suffit pas à te rassérener. Ouais. Du coup, ben, je hurle encore et je retourne voir les copains. Ok, ça marche. Vous le voyez revenir, donc, dans la salle de sécurité, dans le centre de sécurité dans lequel vous êtes, empli d'ectoplasme. Dégueulasse comme jamais. Voilà. Le voir arriver, je lui fais... Est-ce que ça va? Je l'ai poussette comme ça. Je lui enlève l'ectoplasme des épaules. Je fais des bulles un peu. Est-ce que ça va Il y a une visiteuse. Ah. Ouais, mais. Tu as pu identifier son point faible? Non. À part peut-être un transit un peu fragile. Un transit fragile, intéressant. Ouais. Je pense qu'elle vient voir quelqu'un. Alors pour donner un peu plus d'éléments, elle avait l'air d'avoir une forme physique définie. Vraiment, pour le coup, elle ressemblait vraiment à un être humain. Elle avait une apparence physique humaine. C'est une femme, ce qui est plus normal, mais clairement, j'ai pas vu de déformation. Mais à part ma mère, mais celle-là, les peu que j'ai vu, elle vomissait pas autant. Dégueulasse. Est-ce que tu dirais qu'elle a essayé de t'effrayer plus qu'autre chose? Ah oui, ouais, ouais. Il faisait froid? Comment? Est-ce qu'il faisait froid? Oui. Je sors un mouchoir de ma poche et je le tends à Gary. Je fais, t'en as un peu?
Là. Avec le mouchoir, j'essuie une toute petite partie de mon nez et je rends. Tu te donnes un peu de gel hydroalcoolique. Tu peux le garder. T'as le fil d'ectoplasme qui relie. Et quand je prends pas le mouchoir, je fais non, garde-le, Gary, c'est un cadeau. Hein. Je me relave les mains. Gentil, je le mets dans ma poche. Écoutez, sur celle-là, je ne sais pas quoi dire. Elle pourrait correspondre à un type 5 vu qu'elle est très définie, mais la quantité d'ectoplasme qu'elle a produit me perturbe. Sinon, il y a une solution, on va voir. Ah, pas moi. On peut aller voir et essayer de. Ouais. Vous êtes quoi, la Morphis, que le but c'est quand même de les capturer. Oui, enfin, on peut aussi juste leur parler hein, calmement. Ils vont pas nous manger. Oh, ça a pas l'air de marcher pour l'instant de leur parler calmement. Non, et puis c'est notre métier quand même. On est payé pour les attraper. Et si on était payé, vous êtes payé, Madame Morphis, vous aussi vous gagnez une paye à faire ça. Oui, et si on éteignait juste la lumière, puisque ça a commencé quand la lumière était allumée. Non, ça marche et pas. Et il recommence à raconter des âneries, lui. Bon, on va. Je pense que. Est-ce que quelqu'un en a vu un autre quelque part? Peut-être qu'il y aura plus simple. Oui, si vous voulez, il y a Roméo là dans les douches. On peut aller lui faire un coucou et puis vous lancez votre Pokéball. C'est comme ça qu'on dit là, vos jeux vidéo. Quoi? Ça n'a rien à voir. Les Pokéballs sont pour capturer des. Non, mais vous voulez les attraper tous là. Elle est fière de sa blague, elle fait un petit coup. Ok, boomer. D'accord, et votre Roméo, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il avait un défaut particulier, quelque chose sur lequel on peut se reposer? Oh ben, j'ai pas vu grand-chose, j'ai essayé de respecter son intimité, il était en train de prendre sa douche. Ben, on peut lui faire un coucou, hein, puis il a peut-être fini de se doucher depuis le temps. Et si on coupe l'eau, il y aura plus de problème? Ah, excellent, Larry. Voilà. Tu vois, ça commence à rentrer. Ça dit 15 choses débiles et puis une bonne idée. Voilà, il faut juste être patient. N'écoute pas, Larry. Moi, je trouve que tu fais du très bon travail aujourd'hui. Merci, Doc. Allez. Bon, très bien. On y va. Donc, direction les douches, c'est ça? Ouais. Mais okay. Là, on était dans la pièce. Dans la salle de sécurité, là, vous étiez. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un interrupteur pour couper l'eau dans cette pièce, puisque tu avais dit que tout était là? Alors, pour couper l'eau, non. Il y a beaucoup de choses, mais pas pour couper l'eau. Est-ce que je peux quand même appuyer sur le bouton de la lumière? Parce que je suis persuadée que c'est pas si une mauvaise idée que ça, puisque si on dit couper l'eau et que tout le bazar il s'enclenche avec la lumière, je veux quand même tester ma théorie. Ok. Bah, t'essayes de couper la lumière, mais t'as toujours l'impression qu'il y a du bordel dans la prison qui se passe ailleurs, d'accord. Etc. Ok. S'il coupe la lumière, moi je la remets. Je remets la lumière. Tac. Je la remets en voyant qu'il y a toujours le bazar. Je lui fais ça. Silence, tu sais, tout le monde te regarde. Vous entendez d'ailleurs dans la direction de l'infirmerie aussi qu'il y a l'air d'y avoir du bruit. C'est quoi le plus près? L'infirmerie est le plus près. Bon, on commence par l'infirmerie, ça va? Ok. Bon, allez. Après, la douche, c'était une bonne idée. Il veut se laver. Mais après, l'infirmerie est plus près. Peut-être que dans l'infirmerie, il y a une douche. Non, mais regardez-le, le pauvre petit marketeur, il va embobiner personne. Il faut qu'il prenne une petite douche. Oh, Madame Orphy, cessez-le un petit peu. Vous voyez bien qu'il est traumatisé. Oh, mais je dis ça, c'est gentil. Regardez, il est dans un sale état. Allez. Alors, soit vous nous aidez, soit c'est la dernière fois qu'on vous prend comme consultante. Infirmerie. Moi, je suis en train de vous aider, hein. Infirmerie. Très bien. Vous retournez à l'infirmerie. Dans l'infirmerie, ça a l'air d'être un joyeux bordel là-dedans. Vous voyez divers objets en train de flotter dans la pièce, des seringues, des garrots, des scalpels, des scie à os, etc. Qui semblent s'amuser là-dedans et petit à petit reconstruire ou en tout cas préparer la chaise électrique qui n'a pas servi depuis longtemps. Et on voit une entité ou pas? Non, vous voyez juste des
des membres, des mains, peut-être un pied à tel endroit, voilà. Mais vous voyez que des portions de corps. J'enfile les lunettes à infrarouge. Ouais, tu vois et tu arrives à distinguer quatre silhouettes différentes. D'accord. Docteur ? Alors là, il n'y a pas des fils, il n'y a pas une silhouette, il y en a quatre. Est-ce que ça peut bugger ou pas ? Non, c'est tout à fait normal. Ce sont des entités qui ont un taux de ionisation bien moins important que les autres. C'est normal que tu les vois avec les lunettes. Il faut juste régler les fusils sur une puissance plus faible. Il y en a quatre. D'accord. Je règle à combien le fusil ? Est-ce que Gary, tu peux filmer pendant que je fais mon travail ? Je prends ton téléphone. Je suis en train de réfléchir à des types 2 ou des types 3. Attends, je te mets sur Instagram pour faire la story. Moi, je les regarde un peu dépité et j'ouvre un paquet de gâteaux secs. Est-ce que, Gandhi, je peux utiliser le capteur EMF, ouais, pour essayer tout à fait de voir s'ils sont... Oui. S'il y a une forte impact. Attends, faut juste que je retrouve la typologie des fantômes pour te dire. Ils sont toujours en train de s'agiter, c'est plutôt faible. Il y a une faible perturbation du champ électromagnétique. Tu vois pas d'ectoplasme non plus. Et ouais, il fait légèrement plus froid qu'ailleurs dans cette pièce. D'accord. Type 2, ce sont des types 2. Un seul rayon devrait suffire. Mets-le sur 30%, Marie. 30%. Non, mais juste un piège, c'est bon. Je règle 30%. Il y en a 4. Oui. Bon, bah, faut qu'on s'y mette tous alors. Gary, je participe pas à ces machins. D'accord. Hein. Il faut faire attention de pas croiser. C'est marqué dans le manuel. Oh, Gary, pose le téléphone. Bon, j'installe le piège par terre. Allez, un chacun. Celui qui est en face de nous. Okay. Ouais, allez, vous en faites pas. La science est de notre côté. Faites-moi tous un test de courage, du coup. Tous ? Tous, oui. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que... Je pense que la capacité de Griffin peut s'appliquer... Ouais, le plus 4, là. Ouais. Allez. Ok. Est-ce que je peux pas ajouter ma connaissance du paranormal à mon 3 là ou... Tu peux, mais faut que tu me le justifies. Est-ce que parce que je connais très bien les entités qui sont là et du coup j'ai l'habitude. Après, là du coup, alors, vous pouvez compter le plus 4 de Griffin et ça va être. Je vais demander qui a fait moins de 10. Alors moi j'ai juste une question. Est-ce que je peux utiliser ma compétence jeu vidéo parce que je me crois clairement dans un jeu vidéo là. Ah oui, tu peux. Et moi est-ce que je peux utiliser technologie du paranormal ? Donc ça fait 7 plus 6. Merveilleux. Eh bien je fais 13. 13, 14, 15. 13. Ça fait 17. Eh bien tout ce qui est plus de 10, c'est bon, vous arrivez à agir, vous parvenez à agir assez simplement. C'est pas des fantômes qui sont très très effrayants ceux-là, hein. C'est presque juste une banalité par rapport à d'autres que vous avez pu croiser, effectivement. Et donc vous ouvrez le piège, vous utilisez vos rayons tracteurs pour les diriger en direction du piège, et les quatre entités sont prisonnières du piège. C'est fini pour cette pièce. Ouais. Fascinant. Toutes nos théories ça s'avère correct pour le moment. Vous vous déplacez vers où du coup maintenant ? Je rends ton téléphone. mais t'as pas enregistré ! La story elle est pas partie ! C'est incroyable ! Il a pas appuyé, tu sais. Il a juste tenu. Il a fait un boomerang. En fait, c'est l'inverse. J'ai filmé, mais le bras ballant. J'ai filmé par terre. Ah oui, sinon il a filmé son visage plutôt que ce qui se passait. Il est à l'envers. Il est à l'envers, genre. Bon. Je peux pas te confier l'aspirateur à ectoplasme, oui. Donc c'est le bazar. Mais il en a un, t'en as un. Il en a un. Il marche pas. Il s'est équipé avec des trucs défectueux. Non, il a changé dans la voiture. Ah, d'accord. Ah mais il marche mon truc. Mais moi je croyais qu'il marchait pas.
Pour moi, il marchait pas, hein, sinon oui. Je l'aurais utilisé tellement. Non, en fait, Guy nous dit depuis tout à l'heure qu'en fait, on en avait trois en rap dans la voiture. Donc tu peux en avoir pris un. Après, tu peux aussi dire que t'en as pris un dans l'agence, si tu préfères, si tu trouves ça plus drôle. Je pense que je l'aurais utilisé avant, du coup. Donc non, du coup, là, je me rends compte que j'en ai ras le cul et ça va chier. Du coup, je vais en chercher un. Je jette mon truc cassé et je dis, je reviens. Et je fais un aller-retour à la voiture pour en chercher un vrai. Ok. Par l'entrée, tu le fais comment, le passage de l'entrée de la prison? Comme ça. Ok, ça marche. Non. J'ai pas vu. Ça marche. Donc, il est de retour avec un pack à protons. Vous dirigez vers où? Bon, on va aux douches. Les douches. On va faire les douches. Quelqu'un parle espagnol? Non, italien. Les douches. Vous entendez toujours l'autre qui est en train de chanter. So grande mobile. Et tandis que vous arrivez, il se tourne vers vous, l'air complètement effrayé, et crie de nouveau, d'un cri suraigu dans votre direction. Il va falloir libérer cette douche, Roméo. Alors pour lui... Je mets la main sur l'épaule de Gary, je fais Gary, c'est ton moment. On s'était dit deux rayons à 40%. Et il faut que quelqu'un coupe l'eau. Je vais couper. Donc, vous trouvez effectivement la petite vanne qui permet aisément de couper l'eau en fait de toutes les douches. Et vous activez vos rayons. Je vais vous demander un jet de nouveau de courage. Ah. Moi j'ai des petits bonus qui pop. Je suis comme dans un écran de jeu vidéo. Donc là, je vois. Tous les voyants, ils sont au vert. Fanny, tu prends un point de pression. Oh non. J'ai fait deux. Griffin aussi, hein. Moi, j'ai fait. Si j'ajoute la technologie, je fais 10. Ah. 10. Ah oui, mais non, c'est pas tout à fait assez. Je fais 18. Mais cette fois-ci, je peux pas ajouter connaissance du paranormal parce que je lui ai déjà parlé, moi, au fantôme. Donc, je l'ai même vu à moitié tout nu. Tu peux, oui, tout à fait. Ah, voilà. Larry, du coup, toi, t'es transcendé par, par ce qui se passe. T'es vraiment dans un jeu vidéo, là. Gary, t'as fait combien? Moi, j'ai fait 9. Ou 8. 9? Je sais plus. 1, 10, ouais. Ok. T'es perturbé parce que Sharon t'a dit c'est ton moment et t'es... Mais en fait faut que je fasse quoi avec ce truc que j'ai jamais utilisé en fait. Donc ça nous laisse qui là? Sharon t'as fait combien? J'ai fait 9. 9? C'est un peu limite là pour l'instant. Hein. Griffin, du coup ça te faisait combien toi au total tu disais? C'était pas assez hein, ouais. Et Morphis? Bah moi, si j'ajoute mon bonus, 9 plus 6, ça fait 15. Ah, toi, ça va. Tous ceux qui n'ont pas réussi, donc Gary, Griffin, Sharon, vous prenez un point de pression. Du coup, moi, c'est mon cinquième. Moi aussi. Et bah, vous avez votre jauge qui est pleine. Et du coup, pour l'instant, il y a Gary qui tire avec son pack à proton. Larry, pardon, qui tire avec son pack à proton. Mais il est tout seul. Et il va parler ou pas? Oui, vous pouvez parler. Pour l'instant, il a du mal à l'orienter. Monte à 80. D'accord. Alors du coup, j'active la petite molette et j'ai l'impression que j'aspire encore plus fort. Ouais, je vais te demander un jet physique parce qu'il faut quand même donner un petit peu de force pour pouvoir l'orienter. D'accord. Ok. Physique, je crois que j'ai... Non, je suis pas très bien. Est-ce que je peux ajouter aussi le bonus de jeu vidéo? Ah oui. Oui. Ouf. Le stagiaire il déboîte, vous avez bien fait de m'embaucher moi je dis. Là pour l'instant niveau RH c'est, ça semble confirmer son recrutement. Tu parviens à amener le fantôme dans le piège. Et donc du coup il a cessé de chanter maintenant. Que faites-vous? Où allez-vous? Moi j'encense le professeur. Je dis mais Doc, vous êtes incroyable, tout marche, franchement. Vous êtes un génie. C'est pas moi qui ai bloqué, ça me met très mal à l'aise.
c'est pas moi qui ai créé tous ces objets, je n'ai fait que les reconstituer. C'est incroyable. Tout le mérite va à Egan Spengler, c'est lui qui a tout inventé. Ouais, mais bon, c'est vous qui m'avez tout appris. Vous êtes conscient que vous mettez les fantômes dans votre machin, là ? Mais il voulait quelque chose, en fait. Ce n'est pas anodin si ces entités restent sur Terre. Elles ont quelque chose à accomplir. Vous allez à l'encontre du naturel. Bon, à l'encontre du surnaturel. Oui, parce Madame que le naturel, Morris, ce serait qu'il soit mort et... Pardon, vous êtes payé pour nous aider ou vous êtes payé pour aller à l'encontre de ce qu'on fait et nous empêcher de faire ce qu'on fait ? Parce qu'à un moment, soit il va falloir nous aider, soit il va juste falloir partir. Ah, mais vous le prenez comme ça ? Eh ben écoutez... C'est parce qu'elle voulait dire par partir, elle voulait dire... Ah si, si, c'était ce que je voulais dire par partir. Ah, mais si vous n'avez pas besoin de moi, moi, il n'y a pas de souci. Hein. À la base, moi, je suis là pour vous aider, hein, mais si vous êtes comme ça désagréable... Et vous avez fait quoi, pour l'instant ? Vous ne nous avez pas vraiment aidé. Hein. Si j'avais du popcorn, j'en sortirais. Je vais me laver les cheveux un peu. Vous entendez des bruits qui semblent venir de la cour, comme des bruits un peu métalliques. Bah, je remets en place ma permanente. Et, bah, c'est et je vais vers la cour. Peut-être qu'on peut la laisser tester sa méthode. Oui, enfin, sa méthode, c'est comme ça. Elle n'a pas beaucoup. Comment veux-tu qu'on raisonne quelqu'un qui croit au paranormal sans vouloir l'expliquer ? Donc. Très, très très bien, mais qu'elle essaye sa méthode, mais. C'est déjà arrivé qu'elle arrive à calmer des entités. Peut-être que nous pouvons essayer. Vous la suivez ? Je sais pas, peut-être. Quand elle va dans la cour ou pas ? Oui. Moi, ouais. Je veux la voir prouver. Je ne vais pas aller dans la cafétéria ? Ça on ira après, un détour. Ah, d'accord. On y va. Dans la cour, vous arrivez dans une cour... J'attrape Gary qui était en train de se laver les cheveux. Que je vais vous décrire comme étant relativement simplement une cour de prison. Muni d'un préau, de coursifs supérieurs pour surveiller les détenus. Il y a diverses choses pour occuper les prisonniers, un terrain de basket, des tables d'échecs, des bancs de musculation avec des haltères. Et justement, au niveau des bancs de musculation avec des haltères, vous constatez la présence de plusieurs bras fantomatiques, sans corps, hein, qui soulèvent de la fonte, accompagnés de râles d'effort. Voilà, juste le bras. Oui, juste le bras. J'ai toujours les lunettes sur le nez, du coup. Oui. Qu'est-ce que je vois ? Tu vois des espèces de formes un peu... justement, de personnes qui sont positionnées pour soulever de la fonte, quoi, vraiment. C'est des formes bien dessinées ou quoi ? Parce qu'a priori, ça a une importance. Non, c'est très flou. D'accord. À part le bras, il n'y a vraiment rien qui est très défini là-dessus. D'accord. Est-ce que j'arrive quand même à définir qu'il y en a combien ? Oui, tu arrives à définir qu'il y en a trois. D'accord. Il y a trois bras ou trois paires de bras ? Trois paires de bras. D'accord. Donc, Doc, là je ne vois que des bras. Je règle à bien la machine. Et je suis à fond et tout. Non, attends, c'est à Madame Morphis de prouver. Et je croise les bras et je la regarde. Rien ne nous empêche de prévoir notre plan qui... Oui, mais... c'est votre moment. Ah, mais moi, j'ai rien à prouver. De les apaiser hein. Et de les... Mais... attendez. Remettons les choses au clair. J'ai une connaissance du paranormal. Vous avez besoin de moi. Je ne touche pas à ces machines pleines d'électrons. On vous demande à la machine, on vous demande d'utiliser vos méthodes. Vous étiez capable de les calmer. Ah mais aucun souci. Moi je suis pas là pour les capturer. Hein, mais si vous voulez que je teste mes méthodes, je peux tester mes méthodes. Mais a priori, je ne suis pas sûre que ce soit des créatures là pour nous parler, mais soit. Mais... C'est parce que vous suggériez que nous tentions de les calmer ? Oui, enfin là, moi je vois quoi ? Je vois juste des bras du coup ? Oui, là tu vois des bras qui soulèvent de la fonte, vraiment. Il n'y a aucun corps, il y a juste des bras.
Voilà, j'arrive pas trop à finir mes phrases. Je grommelle un petit peu. Ok. D'ailleurs, j'ai la compétence râler, mais je sais pas trop quand l'utiliser. Quand tu veux. Si, est-ce que je peux genre utiliser râler pour tous leur mettre un malus? Parce qu'ils m'ont saoulé et je pèse. J'ai jamais vu ça dans les bacs à sable, mais tu peux. j'utilise râler et comme ça, ils sont en moins bonne posture. Et ils gagnent du respect pour moi aussi, ça leur fait fermer leur boîte à camembert. D'accord, hein. Bah, je vais t'inviter à faire un jet social avec râler du coup. Ok, super. J'ai fait 10 plus 4, 14. Oui, mais t'as un malus en social de base. Ah, j'ai un malus! Ah oui, donc 5. 5 plus 4, 9. Oula. C'est un peu... ouais, non, là, ça... Ça marche pas? Bon, vous la voyez qui bougonne un peu, mais ça vous impressionne pas tant que ça, quoi. Damn it! J'aurais essayé. Bah, du coup, je vais vers... Est-ce qu'on peut passer à la science, maintenant, s'il vous plaît? La méthode. Laissez-moi une seconde. Je me penche vers le doc et je fais... On la paye quand même beaucoup pour ce qu'elle fait. Oui, je pense que ce soir, on va supprimer les primes. Ils vont faire je sors tout mon attirail. Et bon, bref, la sauge et les pendules, ça va bien 5 minutes. Je vais vers le gars de... Hé, vous m'avez pas laissé 2 minutes, là. Oh, un coup de pied dans l'haltère pour faire tomber l'haltère. Et quand il est perturbé par sa perte d'haltère, bouge le gaz. 30, Marie, à 30. À 30, j'utilise mon pression 5, là. Ouais, ok. Alors, ça marche. Bah, du coup, je te demande pas de jet. T'as trouvé comment fonctionnait l'outil. Tu tires avec, dans le rayon, t'as réussi, semble-t-il, à maintenir les bras qui sont quand même très très costauds, hein, qui semblent essayer de se débattre et de taper pour essayer de sortir et tout. Et qu'est-ce que t'en fais? T'as ouvert une prison ou pas? C'est ce que j'allais dire, je vais faire carré, on n'a pas mis de piège. Comme il y en a trois, moi je m'occupais d'ouvrir la prison. Ok, ça marche. D'accord. Ouais. Donc tu l'amènes dans la prison, tout va bien. Donc, il y en a un dans la prison pour l'instant. Madame Morphis, que faites-vous pendant ce temps-là? Oh bah, à partir du moment où ils ont sorti leur attirail, moi je re-range le mien, je fais bon bah... Tant pis, hein. Ok, ça le respect marche. Est mort. Mais il y en a qu'un qui est rentré. Il en reste deux. Je peux tirer dessus. C'est à toi de jouer, Larry, là. Ouais. Enfin, à vous, Sharon. Je vais tirer sur un des deux. Moi, je tire sur l'autre. On fait bien attention de ne pas croiser les rayons. C'est très important, oui. C'est marqué dans le manuel. Madame Morphis, est-ce que tu sais qu'il y a un autre fantôme, en tout cas, au niveau de l'entrée? Si jamais t'as envie... Qu'ils n'ont pas encore repéré, du coup? Bah, que Gary a vu, mais c'est tout. Qui lui a mis une droite, je crois. Gary a subi. Est-ce qu'il reste les attirails, une prison et... faisceau là. Ah oui, est-ce qu'il faut, je pense, dans la est-ce voiture qu'il faut encore. Ah, faut retourner à la voiture. Ouais, je pense, oui. Bon, je m'éclipse et je vais à la voiture. Ok. Mais je prends énormément sur moi parce que j'ai aucune envie de me servir de cet attirail, mais ils m'ont tellement énervé que je pars et dans un petit. Ils vont voir. Du coup, donc tu passes par l'entrée aussi. Comment tu gères le passage de l'entrée? Tu vois une dame assise sur une chaise de dos. Je passe et je fais bonjour Victoria. Elle lève la main. Elle la rebaisse. Et je vais chercher le matos et je reviens. Ok, ça marche. Du coup, vous autres, Larry, du coup, comment gères-tu ton fantôme? Ah bah, comme dans un jeu. Clairement, je suis à fond depuis tout à l'heure, j'attends que ce soit mon moment. J'ai l'impression d'être un aspirateur ectoplasme, ambulant. Et okay. J'ai carrément la foi et je sais que je vais tout déchirer. Ok. Voilà.
Bah du coup, un petit jet de courage pour ton test. Oui. Du coup, ça fait ça, plus... Ça passe pas, à mon avis. Plus 6. Sauf si j'ai le bonus du docteur. Moi, c'est pour du courage. Hein ? Ah bah ça marche. Ça fait 11. C'est naturel. Mais si ça marche. C'était un 6 naturel, avec un moins 5. Ouais, mais... Écoute, si ça te ramène à 11, oui, si, t'y arrives. C'est quand même moins expéditif que Yari, mais t'y arrives. Ok. Et il en reste un dernier. Du coup, c'est moi qui m'occupe de l'autre. C'est toi qui t'occupes de l'autre, vas-y. Je t'encourage. Un test de courage. Test de courage, à moins que tu aies autre chose. Je vais utiliser ma jauge de pression. Ok, ça marche. Donc pas besoin de test de courage. Tu es décidé, tu alignes le fantôme et tu l'amènes dans la prison. C'est terminé pour la cour, il ne se passe plus rien dans la cour. Alors dans la cour, on en a eu... Trois de, ouais. De type 2. C'est ça. Il manque celui que j'avais repéré du coup. C'était à l'entrée ? Celle que vous avez vue à l'entrée, oui, tout à fait. Et on n'a pas fait la cafétéria. Ouais, je pense qu'il y en a un d'autre encore. Ouais, à la cafétéria, à mon avis, on va pas. Allons à la cafétéria, j'ai dit à Larry qu'on irait à la cafétéria après. Passant, il a l'air de faire un focus dessus. En passant, je pousse un peu Larry et je regarde, je fais t'es doué, petit, très doué, mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Et je veux plus Larry. Plus 4 citations pour ma prochaine action. La cafétéria, on va y revenir après. Pour l'instant, on va s'occuper de ce que fait Madame Morphis avec son nouveau pack à protons. J'arrive, du coup, je repasse devant. Par l'entrée, ouais. Par l'entrée. Il y a de nouveau Victoria. Il y a toujours la madame qui est là-bas. Il fait froid dans cette salle. Et tu la vois qui est toujours assise à cet endroit-là. Ok, ça marche. Je me rapproche, mais pas trop près non plus, genre à 2 mètres. D'accord. J'y vais à petits pas. Ouais. Je reprends ma cigarette. Ouais. Bon, Victoria, je suis désolée, j'ai un truc à prouver. Je sais que vous et moi, on est partis du mauvais pied. Et au moment où je vais vous demander juste parler, de rester calme. Au moment où tu es en train de lui parler, tu vois sa tête qui commence à se tourner, et à faire un tour complet pour venir te regarder. Vraiment, sa tête a fait un tour complet pour te regarder avec ses yeux écarquillés et son regard et son sourire carnassier. Bon, allez, j'écrase ma clope. Je prends le matos et je fais « Vous inquiétez pas, ça va être rapide. » Et j'appuie sur les boutons. Je les ai déjà vus faire, donc je vois à peu près. Ouais, mais, okay. Mais par contre, ça me dégoûte. Je suis là genre d'utiliser ces... Oh. Et je fais le truc. Okay. J'ouvre la... Tu me fais un test de courage ? Ouais. Oh 15. Eh bien, écoute, ça suffit. Tu parviens en dépatouillant, t'appuies un peu sur tous les boutons. À un moment donné, t'as foutu un coup de pied dans la prison fantomatique. Ça a l'air de l'avoir ouverte. Et donc, du coup, tu balances le rayon. Tu l'as certainement réglé un peu fort. Parce que du coup, ça te fait un coup un peu en arrière. Tu défonces un petit peu ce qui se passe autour dans l'entrée. Et au final, tu finis par choper dans ton rayon la Victoria, du coup, on va l'appeler comme ça, que tu attires dans le piège, et le piège finit par se refermer, fumant. Eh ben voilà, j'ai toujours dit, la violence, ça fonctionne toujours. Je prends le truc sous le bras, et je vais retrouver mes camarades. Et je me reprends ma clope. Ok, ça marche. Dans la cafétéria, pour les autres, vous arrivez dans la cafétéria et vous voyez que dans la partie cuisine, il y a l'air d'y avoir un truc, puisque dans la partie cuisine, vous entendez
tout un tas de bazar et vous voyez un espèce de fantôme verdâtre à grande gueule qui semble attaquer les réserves dépassées depuis fort longtemps de la cuisine de la cafétéria. Trop bien. Je suis content de le voir, voilà. C'était vous. Là, j'étale ma science complète. Ah oui, ce type de d'entité spectrale a déjà été communément répertorié. Voilà. Je l'écoute plus. C'est un type quoi, docteur ? J'ai droit dans le... C'est un bouffetou. Un bouffetou, voilà. C'est ou les gobe-tout, je sais plus exactement, mais... Attention à ta tête. Je vais droit dans la cuisine, je donne un coup de pied dans la porte pour ouvrir la porte. Je vais lui tirer dessus direct. Je pense que c'est un type 4, hein, pareil. On peut y aller sur du... il faut du 80% sur sa tronche, à au moins 2, idéalement. Okay. Est-ce que je vois un peu plus de choses avec tes lunettes infrarouges que je quitte pas, parce que clairement c'est ce qui donne mon super pouvoir, j'en suis persuadée. Alors, ça me donne un super pouvoir, mais en même temps c'est pas très pratique pour se déplacer parce que tu vois pas très bien. Donc souvent vous la voyez un peu, enfin vous le voyez souvent un peu se manger les murs ou aïe c'est pas par là et puis ou se manger les bureaux ou des tables etc. Tu vois que à peu près tout ce qui touche et tout ce qu'il éjecte en fait de lui. Et elle semble être imprégnée de cette énergie infrarouge, quoi. D'accord. Alors, je trouve ça fascinant et j'arrive pas à le décrire au doc. Et je dis, je tire à combien ? Et je suis en folie. 40. 40. Et je vais vous demander un nouveau test de courage là-dessus. À tous ? À ceux qui tirent, en tout cas. Ah. Bon, il y a un 20 naturel pour Sharon. Moi j'ai cassé la machine. Larry, il a dans la porte il a pour rien. Dessus, ça marche pas. Péro. Ouais, j'ai un gros malus en courage. Et il y avait quoi d'autre comme résultat? J'ai pas tout vu. Bah, il était que deux à tirer, mais du coup, Shannon, tu veux peut-être prendre le relais? Oh bah Sharon, là, pour l'instant, elle assure le truc. Hein. Là, elle le tient. Moi, je tire sur le truc. Et je c'est toi qui tirais déjà. Ouais. Et je fais Gary un piège. Je vais tirer, je vais essayer de tirer dessus. Bah, du coup, je sors le piège. Je fais attention quand même, parce que moi, je suis toujours focus sur les couteaux au plafond quand même. Mais moi, j'ai pas confiance. Courage. 16 plus 5. Nickel, ça passe. Vous aspirez le bouffetou qui essaye de s'accrocher à la nourriture et qui au fur et à mesure part vers le piège et finit par être absorbé par le piège. Et le calme semble être revenu dans la prison. Vous voyez les couteaux qui d'ailleurs retombent du plafond. Et stoing, vous y êtes pas à cet endroit-là, mais stoing, retombe et se plante dans le sol. Il n'y a plus aucun bruit dans la prison. Et même vous captez que toute l'énergie semble d'un coup s'arrêter. Oups, je l'ai fait deux fois. Donc tout s'arrête. Le calme est revenu dans la prison. Vous semblez avoir réussi à capturer tous les fantômes. Vos pièges sont fumants. Et on va passer sur la phase un peu plus épilogue de cette session, puisqu'on arrive à la fin de cette session. Est-ce qu'on se fait plein de high five couverts d'ectoplasme? Ouais, de ouf. Ouais. Du coup, moi, j'arrive avec mon piège. Ça existe, en fait. Mon piège rempli. T'es tous en train de se féliciter, toi t'arrives. Je pose au milieu comme ça, bonk. Je fais, voilà, hein. La puissance. ravi que vous soyez enfin décidé à rejoindre le côté de la science. Bah, c'est sûr que choisir la facilité. Mais bon, c'est vrai que c'est satisfaisant. Je dois l'admettre. Bref, les dispositifs de prison spectrale sont fumants, comme je le disais. Il ne vous reste plus qu'à aller les transférer bien à l'abri dans l'unité de stockage de l'agence. Et en ressortant, vous voyez le petit vieux, d'ailleurs, qui est, qui est,
qui vous regarde sortir et il fait « Alors les jeunes, ça s'est passé comment ?» Je m'approche lentement de lui, je lui pose la main sur l'épaule et je lui dis « Monsieur, vous n'avez plus rien à craindre. Oh. L'agence d'Atlanta de Ghostbusters a fait le travail. » « Ah bah c'est très bien. Ah bah bravo. Bravo à vous. Bon. Eh bah bonne nuit alors. » Il s'en est passé des choses dans cette prison, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut pas lui faire signer la décharge à lui, là? Mais la décharge, vous l'avez fait signer. On l'a fait signer. On l'a fait signer. Ah oui, ok, pardon. Entre-temps. Ok, pardon, j'allais zapper comme on l'a pas joué. Bref, vous êtes de retour donc maintenant à l'agence et le lendemain, vous recevez un coup de fil de Monsieur Timmer. Qui répond oui, qui... Ouais. Oui alors oui. Vous c'est bon, vous avez réglé donc le problème, c'est ça? Oui, est-ce que vous avez réglé les frais, vous? Eh bien si vous me dites que tout est réglé, on va pouvoir envoyer les experts et s'assurer que tout va bien. Vous êtes sûr, hein? Enfin, vous m'avez alors, pas, vous n'êtes pas venu me faire un rapport, mais j'imagine que c'est bon, vous vous êtes chargé de tout. Moi, je vais venir, là, on est en train de déstocker, moi, je vais venir vous faire le rapport et puis récupérer le chèque. Non, ce que je veux vous dire, c'est que nous, on a fait un travail, on a réglé le problème pour lequel vous nous avez appelé, hein, mm-hmm. Et on a fait un travail de fond également. Voilà. Votre problème, c'était une seule entité, nous, on a réglé les autres entités du site. Donc, c'est bon, mm-hmm. Là, c'est fini. Bien, très bien. Bon, on va envoyer les experts de nouveau pour qu'ils fassent leur boulot. Mais bon, en attendant, on va faire fermer le complexe par précaution, hein, histoire que personne rentre dans cet endroit. Hein. Voilà. Bon, en même temps, il y a personne pour surveiller cet endroit. Donc, autant le fermer, ça évitera les bêtises. Hein. Oui, pour ça, c'est pas de problème. Du coup, par rapport au devis qu'on vous avait fait, en fait, malheureusement, il y a eu beaucoup plus de quantité que prévu, hein, on pourra le multiplier par au moins 8. Je vous ai dit que tant que le souci était réglé, je ne voudrais pas entendre parler de ça. D'accord. Et bah alors, je viendrai vous récupérer le chèque demain. Très bien. Très très bien. Autre chose, oui. Si cette histoire pouvait ne pas trop s'ébruiter non plus, hein, il ne s'agirait pas que... On pense que le maire fasse appel à des chasseurs de fantômes, voyez-vous. Alors c'est embêtant, parce que moi je m'attendais à un soutien de votre part en termes de communication. Donc, Nous verrons ce que nous pouvons faire, mais... Vous pouvez, on va poser un compromis. De votre côté, vous pouvez parler de nous de manière officieuse à vos collaborateurs, vos, mm-hmm. vos partenaires, sans faire un état de la presse. Et moi, je rajoute un petit supplément au devis de non-confidentialité. Mm-hmm. Ah, très bien. C'est-à-dire que, voilà. Pas de pub. Par précaution, est-ce que vous aviez peut-être fait le tour aussi du reste du complexe peut-être la partie complexe hôtelière. Je ne crois pas qu'il se passe grand-chose là-bas, j'en sais rien. Et puis peut-être l'ancienne maison du gardien. Alors l'hôtel, on n'y est pas du tout allé. On n'a rien senti là-bas. Et l'ancienne maison du gardien a l'air. Totalement sans problème, quoi. Le gardien, il vit toujours. Mais comment ça, le gardien vit toujours? Il n'y a plus de gardien? Il est décédé il y a près de 10 ans. Ouais, voilà. Oui. Enfin, il vit toujours, dans nos cœurs. Dans nos cœurs, il vit toujours. Ah, oui, vous me rassurez. Bon, eh bien, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Et puis bon, bah, j'espère pas une prochaine fois. Hein. Au revoir, monsieur. Je raccroche. Les gars, on a du boulot. Ah, c'est vrai qu'il nous a proposé un nouveau contrat. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était content de nous? Pas vraiment. On retourne à la prison. Et donc du coup, on va arrêter là puisque c'est la fin de ce scénario. Merci à tous d'avoir participé. Merci à tous d'avoir été présents pour le regarder. Est-ce que ça se finit comme le clip de Thriller? Genre, t'as le gardien qui fait. Vous allez le voir dans le générique de fin. Hein. En attendant, merci d'avoir suivi ce live. La rediffusion sera disponible
normalement dès mercredi si je ne traîne pas, sur la chaîne YouTube, donc Les Dés sont jetés. Et puis en attendant, n'hésitez pas à aller suivre aussi nos merveilleux joueurs et joueuses qui étaient présents et présentes ce soir. Point d'exclamation joueur avec un S pour avoir tous leurs liens. Et quelles sont vos actualités en ce moment? Peut-être on va commencer dans l'ordre par Max. L'ordre de l'écran. Oui, avec plaisir. Mon actualité en ce moment, c'est que je travaille très dur avec Lucien et JB au retour de la Bonne Auberge pour la saison 3, qu'on espère pouvoir faire en septembre. Ce que je peux vous dire, c'est que là, on a tourné, on a en cours de montage et bientôt des diffusions pour des vidéos qui vont en dire beaucoup plus sur nos projets. Et un live le 16 mai avec une très grosse partie de l'équipe, en tout cas le plus possible, pour justement échanger avec la commu, donner toutes les infos et voilà, enfin communiquer sur ce qui va se passer. Parfait, et super. Parfait, le 16 mai, donc le lendemain de mon anniversaire, merci pour le cadeau. C'est exactement pour ça qu'on a choisi cette date. Ah ben je me doute, je me doute. Je le savais. Frimae ? Oui. Moi, mon actualité, j'ai sorti ma dernière collection mercredi dernier qui s'appelle Destin et Désastre. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je fais des bijoux et accessoires rôlistes. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir, ils sont tous très très beaux. Et elle est fournisseuse officielle de swag pour tous les rôlistes. Super gentil, merci. En fait, je n'ai pas besoin de faire ma pub, il l'a fait très très bien. Donc voilà, c'était la grosse actu. C'était mercredi dernier et il y a encore plein de belles choses si vous avez envie. Voilà. Et c'était mon premier actual play et je suis ravie de l'avoir fait ici avec vous tous. Je n'en avais jamais fait. Ben merci à toi d'avoir accepté voilà. D'y participer. Safiel ? Mon actualité. Moi, je joue. Je vais faire de la pub aux autres, en fait. Je joue à Kids on Bikes sur la chaîne de Baron Idolâtre. On joue un mardi sur deux. Ok. Et je vais prêcher ma paroisse, aller suivre la Bonne Auberge. Bien voilà. Sûr, c'est obligatoire. Allez suivre la Bonne Auberge. Hein. Moi aussi, je vous le dis. Hein. Voilà. Ensuite, Red Fanny. Moi, j'ai un autre actual play one shot mercredi sur la nouvelle extension de Magic New Capenna. Je vais jouer une grosse bourrine, une cool, ancienne, ça. une daronne, un peu. Daronne de la mafia, une chanteuse de jazz déchue. Je vais encore jouer une femme assez âgée. Et j'ai très hâte. Sinon, venez voir aussi les deux actuels plays que je fais qui sont récurrents, qui sont Greenberg avec Roll and Play et Ravenloft dans l'univers Donjons et Dragons chez Naeterion. Et d'ailleurs, mercredi, ce sera chez Naeterion aussi. Ce que j'allais dire, hein, Red Fanny, une rôliste que l'on retrouve un peu partout en ce moment. I am everywhere. Et puis Tristan, du coup. Du coup, voilà, actu de Roller Die. Nous, on a, dans 15 jours, on fait, le 28, on fait un nouveau concept qu'on lance qui s'appelle Escape or Die, où en gros, on fait un petit one-shot dans une salle d'escape game, dans un décor, du coup, d'escape. Donc, souvent assez joli, les salles d'escape. En tout cas, celle-là, elle est chouette, c'est le Moai. Et on a un scénario en lien, voilà. Donc, on va faire un live en situation un peu de, voilà, le joli décor. Et sinon, il y a le Dice qui approche. Qui arrive. Qui revient. Voilà. On le relance cet été à partir de début juin. Là, on a presque tous les participants. Il y en a 20 cette année. Et ça démarre en juin. Le thème est encore votable jusqu'à jeudi. Voilà. Par les communautés. Allez voter. Allez voter pour le thème. Noir entre guillemets, un gros événement en route de rôliste où on fait venir une vingtaine de chaînes et on les fait survivre à un scénario pendant 11 semaines équipe par équipe et à la fin il en reste qu'un. Voilà. Super, eh bien voilà. C'est parfait, là-dessus on va clôturer. Sinon n'hésitez pas aussi à aller voir ce qu'on produit également sur la chaîne des Dés sont jetés. Et puis on va passer sur la scène de fin et je vais laisser la parole au petit vieux qui va conclure.
Et puis, à une prochaine fois pour un prochain bac à sable. Je sais pas encore dans quel univers, je sais pas encore avec qui, mais c'est prévu et ça se fera prochainement. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Merci, Goldie. Eh ben alors, les jeunes, on est encore là. J'ai fini, hein. Y'a plus rien. Eh oui, ils sont tous partis. C'est fini. Allez, rentrez chez vous. Barrez-vous. Bon. Ouais, j'espère au moins que ça vous a plu, hein. Bon, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et à vous abonner à la chaîne. Voilà. Hein. Et puis, si vous avez un peu plus, lâchez un Prime. Hein. Voilà, subez à la chaîne, hein. Bon, allez, maintenant, ça suffit. Parlez-vous, hein. J'ai plus de mon âge.